Internet connecte le monde entier. On l'utilise à chaque instant de notre existence. Il est devenu indispensable pour développer notre activité professionnelle et personnelle. Cependant, encore beaucoup d'endroits ne reçoivent pas une connexion suffisante. C'est pourquoi il existe des solutions alternatives comme le haut débit par satellite. Rendons-nous dans le département de la Haute-Saône, avec le syndicat mixte Haute-Saône Numérique, qui aujourd'hui a la volonté d'équiper en haut débit les citoyens du département. Allons plus précisément dans le village de Belfailly, à la rencontre de Johan. Alors nous avons commencé à nous intéresser à l'Internet par satellite lorsque nous avons décidé de mettre en place une deuxième activité, la vente de confiture, et nous avons décidé de faire du e-commerce. Et pour ça, nous avions besoin d'un système Internet fiable qui pouvait nous permettre de fonctionner tout le temps pour répondre à nos clients. Quand on a commencé à rechercher l'Internet par satellite, on ne savait pas vraiment vers quoi se tourner. On n'avait pas d'Internet classique, on n'avait pas d'ADSL. Les solutions en 3G, 4G étaient quasiment inexistantes et très aléatoires. Donc il nous fallait quelque chose de fiable. On s'est tourné, on a discuté un petit peu avec le conseil départemental pour voir ce qu'ils pouvaient nous proposer comme solution. Et ils nous ont demandé si on souhaitait tester l'Internet par satellite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait toujours. On travaille toujours avec le satellite CASAT et ça fonctionne très très bien. On peut faire un petit test de débit pour vous montrer. Voilà, on a des débits qui sont plus que confortables, ça nous permet vraiment de travailler et c'est aujourd'hui vraiment essentiel pour nous dans le sens où le e-commerce, ça demande une vraie présence, ça demande un fonctionnement à 100%, on demande vraiment, nos clients vraiment attendent de nous une réponse vraiment très rapide, très performante et l'Internet par satellite nous permet ça. L'installation du matériel pour nous a été faite dans le cadre d'une étude. C'était vraiment dans l'étude de mise en place de l'Internet par satellite avec le département, donc c'était vraiment tout au début. Voilà, on a un technicien qui est venu, qui a fait l'installation gratuitement, et puis le matériel nous a été fourni gratuitement. Pour ceux qui souhaitent acquérir l'Internet par satellite, je crois que le conseil départemental fait une subvention qui est équivalente à l'achat du matériel. Alors, si vous n'avez pas accès à l'Internet au débit par la DSL ou par toutes les solutions classiques, je vous recommande très fortement l'Internet par satellite, via CASAT en tout cas. On n'a jamais eu de problème, on n'a pas de coupure. Il y a très très peu de perturbations liées aux orages ou à tous les phénomènes climatiques. Voilà, c'est vraiment une solution parfaite, quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. Continuons notre voyage dans la mairie de Varogne. J'avais entendu parler d'une solution Internet par satellite. Donc on n'avait que le bas débit. J'ai contacté les gens de chez Orange. Ces gens-là sont venus, ont installé leur matériel et tous les gens qui ont voulu sont venus voir un peu comme ça fonctionnait. Donc ça a été déjà dans un premier temps installé à l'école et à la mairie. Parce que bon, nous, l'Internet nous est indispensable en mairie, donc il nous fallait quelque chose qui marche un peu mieux, un peu plus rapide que ce qu'on pouvait avoir en bas débit. Bon, la deuxième génération d'antennes qui nous avaient posé à la mairie, que j'ai posé à la maison après, était quand même beaucoup mieux conçu. C'est pas vivable le bas débit aujourd'hui, hein. C'est quand même autre chose, c'est quand même une nette amélioration, c'est quand même nettement supérieur au bas débit. Vu comme l'antenne est fixée, et avec le nouveau système de tête et le satellite d'aujourd'hui, c'est une bonne solution, qui n'a absolument rien à voir avec le bas débit. Quand on ne peut pas accéder à d'autres systèmes, c'est la solution qu'il faut choisir.